Les Alouettes traversent une très bonne séquence. Cette semaine, ils ont accueilli le retour à l'entraînement de leur porteur de ballon vedette William Senbach, qui devrait revenir au jeu sous peu. En attendant, la troupe de Danny Machocha visite une 5e victoire en 6 matchs en affrontant les Elks. Edmonton cherche à mettre un terme à une dizaine de 14 défaites à domicile. Au premier quart, Taylor Cornelius a énormément de temps et finit par repérer le Québécois Vincent Forbes-Monbleau. L'ancien du Rouge et Or gagne 34 verges. Ça mène un placement décisif. Les Alouettes se mettent en marche sur la séquence suivante. Walter Fletcher tente de déborder à sa gauche et plonge dans la zone des buts. Qu'est-ce qu'on dit? On dit « touché ». Sauf que les officiels changent d'idée à la reprise. Dominic Davis viendra finalement compléter le travail avec une faux filade du quart. Et c'est un deuxième touché au sol cette... Montréal tire profit de la défense poreuse des Elks en début de match. Au début du deuxième quart, Trevor Harris remet au rapide Tyson Philpott. Le marchand de vitesse fera un chemin et récolte 16 verges. Attention à Luc Brodeur-Jourdain sur les lignes de côté la prochaine fois. Les Alouettes se retrouvent dans la zone payante. Harris convie Eugene Lewis. Une belle sortie aux pommes. Ouais, pas besoin d'échelle. Gino cueille le fruit à une seule main lorsqu'il tombe de l'arbre. C'est un 6e touché en 5 matchs pour le receveur étoile des Alouettes. 14-4 Montréal. Les Moineaux peuvent ajouter à leur avance quelques instants plus tard. Sauf que Fletcher perd le ballon lorsqu'il est plaqué par Jake Serrano. Les hommes de Chris Jones créent un revirement important. Edmonton obtient du renfort pour ce duel, alors que Kenny Lawler est de retour après une absence de 6 matchs. Le receveur des Elks effectue un catch tout simplement spectaculaire avec un peu plus de 2 minutes à faire. Lawler retraite toutefois au vestiaire sur cette séquence. Montréal se tire à nouveau dans le pied à la fin du deuxième quart. Harris est sous pression. Serrano lui fait perdre le ballon avec 1 minute à faire. Les Elks reprennent possession en bonne position. Cornelius amène les siens à la portée des buts. Touché! Edmonton marque 10 points à la suite des deux revirements et mène 18-17 à la demi. Cette marque tient jusqu'au 4e quart. Les Alouettes sont dans le trou. Premier essai et début de la ligne de 5. Cornelius. Oh, ça a été touché et intercepté. Le retour, Tyrese Beverett. Beverett dans le territoire adverse. On va tenter de le rejoindre. Attention! Et Beverett qui est toujours debout. Et c'est un touché! Incroyable! Touché défensif. Interception de Tyrese Beverett. Oh! Wow! Tyrese Beverett réalise le 3e retour d'interception d'au moins 100 verges dans l'histoire de l'équipe. Il est le premier depuis Byron Miles en 1999. Après la transformation 2 points, c'est 25-18 Montréal. Les Elks veulent rapidement effacer ce cauchemar de leur mémoire. Cornelius passe à Dylan Mitchell. Superbe catch aux 44 verges. Edmonton la veut cette première victoire à la maison cette saison. Sauf que les Elks se frottent une défense montréalaise coriace. Sur un 3e et début, Kevin Brown est stoppé. Les Alouettes tiennent le coup. Edmonton se retrouve encore profondément en territoire des Alouettes avec un peu plus d'une minute à faire. La passe de Cornelius glisse entre les doigts de Daniel Vandervoort. Le ballon tombe dans les mains de Mika Aoui. Montréal repart de l'Alberta avec 2 points en banque. Marque finale, 25-18, Alouette. Trevor Harris est devenu le 24e quart de l'histoire de la Ligue canadienne, a lancé 150 passes de toucher au cours de sa carrière. Il a aussi atteint le plateau des 3000 verges par la passe en une saison pour la 6e fois.